Oui, c'est sûr. C'est sûr. On va pas refanfaronner comme la première fois parce que ça nous avait porté un peu malheur. Mais, tu vois, ça fait quand même du bien, tu vois. Alors, certes, nous avons vécu quelques petites déconvenues ces dernières semaines avec le Zincoin, puisque nous étions cotés sur une grosse plateforme qui s'appelait IDAX et cette plateforme a fermé les portes quasiment. Indépendamment de notre volonté, vous le savez, aujourd'hui nous avons gardé le secret jusqu'à aujourd'hui, 15h30, nous sommes de nouveau cotés sur les marchés, hein, puisque tout le monde a dit que Zincoin était mort, que nous ne serons jamais de nouveau relistés, que nous ne serons jamais plus sur les marchés, que nous étions donc une équipe d'escrocs, d'arnaqueurs qui finira en prison. Tout ça, on va laisser ça dans la poubelle. Tous ceux qui le pensent encore, n'oubliez pas que cet objet fait quand même très mal quand on le prend derrière. Évidemment, c'est une quenelle à toute la putosphère, encore une fois, mais je ne vais pas fanfaronner cette fois, parce que leur place est devant les tribunaux à ces gens-là, leur place est en prison, leur place est clairement à devoir payer des amendes, des dommages et intérêts pour dénigrement, hein. Car quand on essaye de nuire à un projet commercial, on est sur Internet, on est passible du pénal, c'est 1 an de prison. Et des dommages et intérêts. Voilà. Je vais pas. Je laisse ça. On laisse la main à l'équipe juridique. Maintenant, vous avez craché pendant des mois et surtout ces 4 dernières semaines sur le Zincoin, qui est donc actuellement à l'heure où je vous parle. Je vais vous le montrer en direct. Ça, c'est dommage. Oui. Alors, attendez. Sans cela, peut-être. Voilà. Je vais vous montrer en direct. Voilà. Nous sommes sur Bbox, donc une nouvelle plateforme. Et le Zincoin est coté à l'heure où je vous parle à 1,17$. 1,17$. Voilà, depuis 15h30, il est de nouveau sur les marchés. Voilà, donc je pense qu'il y en a qui vont se remettre à boire. Il y en a qui sont vodka ultra, qui vont passer peut-être à un degré supérieur. En tout cas, ces gens-là n'ont strictement aucun intérêt, sachez-le. On va les oublier au plus vite, hein. Non, on va oublier tous ces gens-là, on va les laisser dans leur poubelle et on va les laisser régler leurs différends avec l'équipe juridique maintenant. Ça nous dépasse, ça ne nous intéresse plus. Hein, voilà. Donc, ce que je vous demande de faire, si, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise là? J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne sur le live. J'ai fait quoi? Si. C'est bizarre parce que j'ai. Il y a encore quelqu'un là? Vous m'entendez ou pas? Parce que j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise. Ouais, on est encore en live? Bizarre parce que j'ai plus personne au compteur, j'ai zéro, alors que vous n'êtes pas zéro. Et visiblement, il y a quelque chose qui s'est. J'ai pas, j'ai fait quelque chose. J'ai fait un truc avec mon téléphone, je crois que j'ai dégagé. J'ai fait une connerie. Attendez. Ah oui, d'accord, voilà. Ah, parce qu'il y a deux lives? Non. Mais non. Oui, voilà. On est 159. Voilà, donc très bien. Donc, excusez-moi. Il y a deux lives? Comment ça, il y a deux lives? Pourquoi il s'est pas arrêté l'autre? C'est fatigant des fois. Non, non, l'autre, il est fini, là. Ben oui, non, c'est pour ça. Non, j'ai relancé un autre live. Voilà, c'est ça. Donc celui-là, je vais l'arrêter parce qu'apparemment il n'est pas arrêté. Excusez-moi. Non, l'autre live, il est plus valable. Hein. Il faut, voilà. Donc celui-là, il faut plus faire attention. Attends. C'est la même bêtise. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ah, pardon. Donc alors. Le nom de la plateforme, c'est Bbox, Bibox, qui est une plateforme, très grosse plateforme asiatique, cotée dans le top 20. Hein. Voilà. Donc, le but du jeu, bien sûr, bah, c'est d'aller s'y installer. C'est d'aller s'y inscrire, pardon. Il y a Fabrice Potek de la chaîne Crypto Tuto qui est en train de faire un tuto pour s'inscrire sur Bbox. Allez soutenir le cours du Zincoin qui, à l'heure où je vous parle, est à 1,17$. En Bitcoin, il est à. Je ne sais pas, je ne vois rien.
Je sais pas comment on fait pour voir. Donc, alors, on est dans l'onglet. Alors, regardez le live sur le Facebook de Karim Ben Abdelkader. Il vous explique, l'équipe vous explique qu'on est sur Bbox. On est dans l'onglet nouveautés en bas. Hein. Voilà. Donc, bah, tous ceux qui nous ont insultés pendant un mois pour nous dire qu'on était des escrocs, des voleurs, que vous ne reverriez jamais votre argent, qu'on vous a bien plumé, tout ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu quelques-uns, une petite poignée, une petite dizaine, on va dire, même un peu moins. Donc vous n'avez pas été très nombreux. Juste pour vous dire que parmi vous, il y en a qui ont revendu leurs Zincoin en catastrophe, qui ont dit je quitte ce navire d'escrocs. Ben, vous n'avez pas eu le nez creux. Je vous avais dit de faire confiance. Ça, c'est comme le batteur des Beatles, le premier batteur des Beatles qui n'a pas cru et qui a quitté le groupe juste avant qu'ils engagent Ringo Starr. Ben, voilà. Vous en êtes là. Vous avez quitté le navire Zincoin. Tant pis pour vous. Aujourd'hui, ben, vous avez l'opportunité de pouvoir aller soutenir de nouveau le cours du Zincoin, qui est, n'oubliez pas, pour ceux qui ont déjà acheté et investi, qui est votre navire, c'est votre bébé. Hein? Voilà. Donc, allez le soutenir. Soutenez-le aussi sur Internet et sur les réseaux sociaux. Partagez autour de vous le fait que on est là, on est toujours à flot, on est toujours sur les marchés et qu'on est au tout début de l'aventure du Zincoin qui a pris un petit mois de retard à cause de l'aventure IDAX, malheureusement, de la mésaventure IDAX. Et de la mauvaise volonté de tous les gens qui ont essayé de nous nuire depuis le départ. Voilà, sachez qu'ils n'ont pas réussi. Hein. Ils sont très très loin d'avoir réussi de couler le Zincoin. Bah oui, un petit conseil, arrêtez d'écouter la putosphère. Je peux pas vous dire mieux. Arrêtez d'écouter la putosphère. Arrêtez d'écouter ces chaînes de merde. Je peux pas dire mieux. Voilà, donc Karim est en live à l'heure où je vous parle. Allez-y, mollo, soutenez le zine, faites comme vous pouvez, parlez-en autour de vous, soutenez moralement, soutenez sur Internet, c'est votre bébé, c'est votre projet. C'est aussi à vous de le soutenir maintenant. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, hein. J'ai fait tout ce que j'ai pu, et on va en reparler au fur et à mesure de son évolution. C'est le moment à tous, surtout pas de vendre, bien entendu. C'est pas le moment de vendre, mais c'est le moment de, comment dire, bah, d'aller soutenir ça. Hein, voilà. Donc je peux pas vous dire mieux, moi, en ce qui me concerne. Donc fuck de Putosphère, bien entendu. On n'en parlera plus. Hein, voilà. À tous les gens qui nous ont traités d'escroqueries ces derniers temps, bien c'est pareil. Vous pouvez vous défendre, vous pouvez. Aussi à tenter des actions en justice. Je sais qu'il y a des membres de l'équipe Zincoin, de ceux qui ont acheté, qui ont investi, qui en ont marre de voir leur projet Zincoin se faire insulter, cracher dessus, et qui en ont marre de voir que ce sont des gens mal intentionnés qui ont envie que le Zincoin se casse la gueule. Pourquoi? La question reste en suspens. Moi, j'y ai déjà répondu. J'ai plus envie de me répéter 150 fois. Et il y a des membres de l'équipe des investisseurs Zincoin qui ont envie d'attenter des actions en justice contre toute cette sphère diffamatoire Internet qui est passible du pénal, je le rappelle. Alors, vous allez sur le Discord Zincoin. Je vais le mettre sous cette vidéo. Je vais mettre le lien. Allez sur le Discord. On va tous se coordonner. Et puis, s'il y a des actions à faire en justice, on les fait. Voilà. Il faut que nous défendions notre projet tous ensemble, désormais. C'est très important. Ça n'est pas le projet de Karim Ben Abdelkader, ça n'est pas le projet de Jim, ça n'est pas le projet de Dieudo, c'est le projet de tous ceux qui ont investi. Donc c'est à vous maintenant de le défendre. Sachez que les commentaires seront modérés. Donc c'est pas la peine d'écrire Jim voleur, arnaque, escroc, machin. Vous dégagez. Voilà. On ne veut plus entendre parler de vous. Vous allez jouer dans votre cour là. Vous allez jouer sur votre petit Telegram, la putosphère. Hein. Vous allez continuer à faire des petits montages vidéo. Et ça vous va très bien. Vous êtes des blaireaux et on ne veut plus entendre parler de vous. Laissez-nous tranquilles maintenant, entre adultes. Nous allons faire prospérer le Zincoin. Nous allons le faire grimper. Et on vous a dit dans 2, 3 ans minimum, hein, court, moyen terme. Donc, ceux qui vous disent il n'y a pas de volume d'achat, c'est de l'arnaque, ça n'ira jamais nulle part, on est sur les marchés depuis 2 heures. On est à 1,17 $ à l'heure où je vous parle. 1,17 $.
c'est-à-dire presque 4 fois le prix que vous l'avez acheté à la ICO en passant par mois à 0,32 centimes au mois de juin, même au mois de février, au mois de mars, d'accord? Donc, vous êtes à 4 fois déjà là, à l'heure où je vous parle, ce que vous avez acheté. Ce n'est pas le moment de bazarder, puisqu'on pense qu'il va aller énormément plus haut que ça. Donc, soutenez votre projet, et puis on se revoit dans quelques semaines, et puis on fera un point, parce qu'il y a des tas de choses qui vont arriver, vous verrez bien, et vous verrez que ce Zincoin va tenir ses promesses, et plus peut-être, et vous verrez qu'on ne vous a pas menti, en tout cas jusque-là. Vous voyez qu'on est là, qu'on n'est pas parti avec votre argent, qu'on n'est pas des voleurs, des escrocs, des arnaqueurs. Et voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez me faire un procès, allez vous faire enculer. Et puis, voilà, tous ceux qui me disent que je vais finir en prison, je vous prends au mot. Hein, et donc, pas de problème, si vous voulez, on s'y retrouve. D'accord? Merci beaucoup de m'avoir écouté. Oui, ben j'insulte. Pourquoi? Parce que quand je me fais traiter d'escroc à longueur de journée, j'ai le droit d'insulter. D'accord? Voilà. Et ceux qui me disent que je vais finir en prison alors que le Zincoin est sur une plateforme d'achat, Bbox, hein, qui est une très grosse plateforme d'achat asiatique, comment est-ce que vous pouvez oser continuer encore à nous traiter d'escrocs? C'est scandaleux. C'est une honte. Hein. Tous ceux qui avaient dit qu'on allait disparaître, etc. C'est un scandale. Voilà. Donc c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Allez, merci beaucoup, et puis à plus tard. Allez, écoutez, Karim, il est en direct à l'heure où je vous parle. Ciao, à plus.